Bonjour, mes amis, and welcome to the Rendezvous des Cajuns radio and TV show live from the historic Liberty Theater in downtown Eunice, Louisiana. My name is Angèle Bellard, and I am a park ranger from the Jean Lafitte National Historical Park and Preserve Prairie Acadian Cultural Center, which is located right next door to this Liberty Theater. We, along with the City of Eunice, the St. Landry Parish Tourist Commission, the Cajun French Music Association, and the Best Stop Supermarket are all proud sponsors of this show, which is truly a unique family experience and the only one of its kind. We have a very special show this evening with La Récolte providing your entertainment. And as your MC, we have Ryan Simon. So with no further ado, if you will all please join me in giving a very warm welcome to La Récolte. Thank you. We normally start the show kind of hot with a song, but tonight's a special night. And we just want to wish our park ranger, Michelle, a happy birthday. Happy birthday, Michelle. Mo, this is for you. We'll be right back.
Thank you. Merci. Oui, bonjour, danseurs. Bienvenue tout le monde. Bienvenue à notre gros samedi ici, dans le Théâtre Liberté. C'est bon de voir tout le monde ici avec nous autres. Et c'est bon de voir une bonne band. On va voir la band pour toute la nuit, à soir, pour tout le show. Shane Bellard et la Court Cajun Band. C'est bon de voir tout le monde. Bon courage, merci. Yeah. À et encore, bonne fête. Bonne fête à vous autres. You're welcome. Happy birthday. And introduce the band ici. À mon gauche, sur le violon, Mr. Joel Bro on the fiddle and vocals, everybody. Thank you. Chris Lafleur sur le tifard et sur les tambours en arrière là, pour ça. Paul Borrell, on board the stage, sur la basse. Mr. LJ Bellard, sur la guitare et puis à voix. Il va chanter pour nous autres à soir aussi. Et pour ceux, Mr. Shane Bellard, sur l'accordéon ici, et après chanter. Thank you, merci. Je crois que vous avez amené votre fan club avec vous autres à soir, je crois. Ça semble. Tout le monde, ça va venir tout le monde. Yep. Alors, on continue, je marche tout seul. Tige noir, ça veut dire. C'est ça, il va dire. Pour Michel la soirée. All right. Oui. Michel nous avait dit qu'elle ne laisserait pas oublier que c'était sa fête aujourd'hui. She wasn't going to let us forget that it was her birthday today. So, comme j'ai dit, bonne fête. So, all right.
Comme j'ai dit, bienvenue ici à Liberty. Welcome everybody to the Liberty Theater. It's good to see everybody here. And c'était une belle journée, c'était une belle matinée ce matin. Et à l'après-midi, le temps après se faire beau dehors. Et le printemps est proche ici pour voir tout le monde. Dans le jardinage, je préfère. Dans le jardin, je préfère tout le fleur et tout ça là dehors. Ça fait. Je crois pas que le groundhog l'a vu sans l'homme. I don't think the groundhog saw a shadow this year, so I think we might get an early spring this time. It's awful looking nice outside, so it's good to see everybody out and about and here at the Liberty Theater. You want to go ahead with a two-step? Wait. Quoi c'est ça va faire? Scroll back to your list. All right. On va faire back to your list. Back to your list for our stuff. Back on schedule, all. J'étais au bal hier soir, il dit. Merci. Ouh, là, j'ai appris à travailler. Hier, j'ai fait ça à la religion. J'étais au bal hier soir. Si j'étais au bal, if I was at the dance, ou si j'étais au bal, if I went to the dance, ça dit j'étais au bal.
Shane, c'est bon de voir, hein? C'est bon de voir et après jouer. Oui, c'est bon de voir aussi. La prochaine fois, toi et ton band va jouer ici, moi je vais MC pour vous autres. Comment c'était ça? Non, j'ai dit la prochaine fois tu vas jouer avec ton band ici. Moi, je vais venir Okay. Man, c'était longtemps passé, mais je n'en perds pas ça du tout, mais si tu dis, all right. Yeah. On va trade the place. On va changer la place. On va peut-être faire ça ce soir. Non, il dit, ah non, pas du tout. Laisse ça jouer ça pour tout soir, là. Non, c'est all right. Vous êtes après jouer un petit peu. Y'all been playing a little bit around? Yeah, we've been playing a good bit. We had a couple weeks off, and then it seems like February, March, and April are full. On a été Mardi Gras était un petit peu bonheur cette année ici. Ça fait les deux semaines passées, c'était bien occupé pour tous les bands alentours ici, pour sûr, tous les bands Cajun. Et quoi je voulais dire? You were on the radio. I heard you was avec Nong Jewel. Y'all have a new CD out recently? Yeah, we released. Well, it's gonna be almost a year. We released our CD in July, I believe, of last year, 2015. Okay. Yeah. So we're just doing good. We have some for sale. If y'all want a CD, we got a lady walking around here. She's very pretty. We get her very, very pretty. Pass in front Love of the stage baby. Every now and then. Just hold up a CD. That's where she's at, right there. Yeah, y'all be sure to get y'all one. Well, on va pas parler un tas ce soir. On va laisser la band jouer la musique et on va continuer avec Cajun Hot Shoes. Merci. Thank you all.
Bon job, danseur. Bon job, Ben. Bon job, danseur. Bon de voir du monde danser comme ça, alors. Et rompre les naughty boots, oui. Ça va venir, les naughty boots. C'est bon de voir le monde après remplir le plancher. J'ai envoyé un message de mon père et après écouter sur la radio, il dit « Bon job ». Et il dit « La musique sent bon ». Merci. Yeah. What I was going to ask you, how long you been playing, bud? Combien de temps t'as après joué? I got my first accordion, I was probably about in the third, fourth grade, something like that. Now, I didn't play it overnight. Oh, no. It took me a while to learn, but I'm 40 years old now, and so I've been playing off and on since I was 6 or 7 years old. That'll do it. Yeah, you do it for long enough, it'll... Tu souhaites ça va te coller. Well, you hope it'll stick. Eventually something happens, yeah. Huh? Well, yes, indeed. And it's sounding good. You learned just listening to the radio, watching people, had somebody teach you? Or? No, back then, it seemed like we couldn't find nobody to help us, to teach us to learn. Didn't want to give up all their secrets. That's right. So I still don't. I had a big old stack of 45s. Just old Ira LeJean, Aldis Rogier, Lawrence Walker, all of those, and just playing those, spinning them, and just eventually learn. And it was funny, because before coming here, Chris was at the house, and we were listening to them same old records. Those things don't go away. Oh, no. Quand même, si c'est 60 ans, ça va, tu vas les attendre pour tout le temps. Et tu connais quelque chose. Quand tu vas commencer à apprendre l'accordéon, n'importe quel instrument comme ça, et tu vas commencer avec une radio, un CD ou quelque chose comme ça, peut-être, premier, ça va pas sonner bon. Ouais. Mais des fois, ça va arriver. Il comme. Il sound bon. Et puis, ça va pas sonner comme la radio, mais des fois, quand tu continues comme ça, et quand tu apprends la première chanson, c'est tout bon après ça. Je vais dire une histoire de mon petit frère Drew. Ouais. Quand il a commencé à apprendre mon accordéon, quand il avait 20 ans, première chanson qu'il a appris, c'était Amédée Two Step. Il a joué la seule chanson là pour 6 mois. C'était la seule chanson qu'il a connue. À jouer, c'était Amédée Two Step pour 6 mois. Ça m'a rendu fou. Et puis, il a pris une autre chanson après ça. Ça fait. Des fois, ça arrive comme ça, mais dans le temps, tu vas te prendre. Mon avant de mourir.
Belle valse. Belle valse, avait deux balles fortes. Défend deux balles fortes, elle a fait ça. Je crois que j'ai entendu qu'il a crié ça dans son char. Autour dans le chemin d'un gig. Il a crié ça dans derrière dans son char. C'était des belles places. C'est toutes des différentes places que tu vas trouver quand tu crées une chanson là, comme ça. Tu crois qu'il a voir un gros garçon, quelque chose? Peut-être. Peut-être qu'il y a une autre dans son char. C'était peut-être moi qui allais après marcher dessus le bord du chemin. Tu vas jamais connaître. Peut-être que c'était un gros bug qui t'avait drive. Je connais pas. Je ne sais pas si c'était une petite bug. C'était un gros bug, c'était la voix de gros garçon. Cœur tortue, c'est la prochaine. Thank you. T'as mangé des tortues? T'as jamais mangé des tortues? Oh, oui, je mange des tortues. All right. Mangé un grand oncle. Il est le petit frère de ma grand-mère. Et c'est ça son favorite, manger du cuir. C'est des tortues. Des tortues sauce piquant. Yeah. How many of y'all visited? Anybody visiting from outside the area? Outside the state? You got a few? We're talking in French, if y'all haven't figured out by now. And Cajun French, that is. And that last song was called The Turtle Tale.
And I asked Shane if he liked to eat turtle. If y'all have never eaten turtle, y'all don't know what y'all are missing. Right. Turtle sauce piquant. Tell you what, the Cajuns, you don't waste nothing, first of all. And if you can cook it, by God, cook it. You know what I mean? You don't want to waste, that's right. Ça fait, il y a des bonnes choses là, comme ça, pour cuire. Ça va, tu vas jamais connaître quoi tu vas manger, mais des fois, c'est mieux de jamais connaître. Demande pas, juste manger. Demande pas, don't ask. J'étais prêt à lire ici sur la page. Vous êtes prêts après jouer au Regatta Restaurant à Lake Arthur? Oui, on joue prochain une fois par mois. All right. Regatta dans la capture. Yeah. Et ça c'est un normal gig, ça. Là. C'est bon, oh. Yeah. Ça est un Canadian Memorial Festival à Saint-Martin. Oui. J'ai joué ça pour ça une fois des années passées, mais c'est beau. Si c'est le même festival, allons en dessous de la grosse chaîne verte, là, ouais. Par le Bayou Teche. C'est, yeah. C'est probablement le même. And see if it may dance avenue, yeah, et encore avec Regatta. So if y'all are in the area, y'all check them out online at loudercultband.com, and they'll be playing around the area. So if y'all like what y'all hear, y'all go check them out wherever they're playing for sure. Allons, jolie bassette. Yay. En fait, tu me fais tout ça, t'es fait, oh, t'es trop canaille. Hey, y'a mignon, oh, t'es trop canaille. Fais pas ça joli, ça me fait du mal. Tu fais tout ça, tu fais, oh t'es trop canaille. Hey y'a bébé, hey, oh tu me casses ma cœur. Fais pas ça joli, oh t'es trop mignon. Hey! Vous êtes prêts à écouter la Recolte Cajun Band et on est bien en vie sur la radio 88.7 KRVS Lafayette et Lac-Charles et aussi sur le World Wide Web at krvs.org. Et how'd y'all ever come up with la Recolte? What are you serving you? On avait un bon ami,
Eric Bro, yeah. Il vient de Lafayette, tu connais Eric, hein? Mm-hmm. Puis on était après chercher un nom pour le band, puis il a dit des filles, non, you know, des quelques noms, et puis il a dit une fois, comment Larry Cole, ça c'est un bel nom, ça, là. Et puis... On est fort. Yeah, just stop. C'est la récolte. La récolte. Les racolteurs. Ils sont les racolteurs sur la récolte. Après jouer la musique. That's indeed, that means, that's a farm in French, or farmers, yep. And il y avait tout le temps une histoire, il y avait tout le temps une petite histoire des noms de la bande, et chaque bande, comme les Pine Leaf Boys, les Mamou Play Boys, or, awesome, n'importe quel tu vas demander, il y a une petite histoire, et une petite spéciale de la bande, et, comme ça la récolte. Et tu ne vas jamais connaître ça, le nom, ça va venir. Mais des fois, ça va venir juste comme ça. Là. It just happens to be like that. Yeah, it was either, the only two we had it down to was either Larry Cole or Bobo and the Band-Aids. we'll leave that one for next time. All right. Yeah, I think, Larry Cole, ça roule sur la langue un petit peu plus, mieux. Hey, ça après le temps, après un petit peu du temps, le nom ça va te sonder comme la bande. Et les deux va mêler. C'est comme ça que tu dis ça. Appaloosa's Waltz. Joel, you gonna sing it? All right. Appaloosa as well, Joel Bro on the fiddle and on the vocals. You went to the jam today, bub? Oh no. Oh no, Ed. I had to save myself. He had to work tonight. He had to come work tonight, so he didn't go to the jam. And he ain't jam, old Pombro.
La joie de vivre café et en fait, Brazis m'a envoyé un message si je pourrais host le jam la semaine qui vient. Et je dis oui, je serai là samedi qui vient. Ça fait. Non, je veux te demander que s'il y a un tas de monde, mais si tu n'as pas été, ça fait bien. Mais je souhaite que le temps, quand le temps est beau dehors et dans le printemps, il y a tout le temps un tas de monde qui vient. Oh, a lot of people usually go out to the jam when the weather's nice outside and everybody's out and about. So, very good. Allons voir, la vase, non, je veux pas skip. Old fashioned two-step. That's what a song is right there. Vive Moyer. La première fois, j'ai dans tes yeux, j'ai connu, t'étais la seule que dans mon cœur. Mon cher petite fille, avec tes cheveux aussi bruns, moi je connais un jour amené, tu vas me quitter. Aïe. We'll be right back.
Merci. Bon job, bon, belle chanson hein, que toi t'as composée toi-même. Oui. Bon job, bon job. C'est pour ma fille, Kristen. Yeah. Puis Kristen a une fille aussi, Heather. On a écrit ça pour les deux, yeah. Les deux filles. Good, bon job, bon job. C'était tout le temps bon de voir une band et du monde qui composait les chansons eux-mêmes. Et comme je dis tout le temps, dans la musique cajun, on joue les chansons qui étaient là 60 ans passés, 70 ans passés, mais quand même, une fois, ils ont été originales. Une fois, quelqu'un, il fallait les écrire une fois. Ça fait, si vous êtes pour écrire les chansons aujourd'hui, peut-être dans 60 ans, dans l'avenir, quelqu'un va jouer la même chose. Yeah, je souhaite. Et t'as écrit un tas de chansons ou juste quelqu'un? Juste quelques chansons? Yeah, quatre, on a écrit. All right. Ouais. C'est bon? Yeah, on, ça va venir. Il y a quatre chansons dessus, le nouveau CD, on a écrit. Ça fait, il y a cinq originales, cinq ou six. Mm-hmm. Puis on a écrit quatre. M. Ken Stewart a écrit un. Il a fait un bon job aussi. Qu'il m'a envoyé un message l'autre jour, il était prêt à essayer de me trouver. Décaché? Non, je n'étais pas caché. Il était prêt à trouver sur Facebook, mais j'ai donné Facebook pour le Carmout, pour Lynn. J'ai donné ça, j'ai redonné ça pour Lynn. Et Mitch Shex dans la petite book qui joue le violon avec moi, il dit. Qui était prêt à essayer de la contacter. Et je dis pourquoi? Il dit je veux te donner un CD pour CFMA, pour le Cajun Awards. Ça fait, je l'ai rencontré à Maurice là, et puis je l'ai donné un CD, ça il veut. Ça fait. Fais l'amour dans le poulailler, ça c'était une originale, on l'entend passer là. Fais l'amour dans le poulailler. Fais l'amour dans le poulailler. Elle a tombé dans la pirouette. Elle a mort dans le poulailler. Et puis mes yeux palonniers. Elle a fait un ocalé. Quand frotter mon petit proton. Après course, mamselle Martin. Fais l'amour dans la poulailler. Et puis mets-tu le palonnier. C'est la fille à nos grammes. Quand frotte mon petit crapaud. Fais l'amour dans la poulailler. Quand croche ma petite cuillère. Fais l'amour dans le poulailler et puis fumer sur le palon, you know, the palonnier is? Oui. Un palonnier de wagon? Un wagon, oui. That's the hitch of the wagon.
The front part of the wagon. C'est le palonnier, il dit. Tu connais, j'aime jouer ça moi-même, mais j'aime jouer tous les verses. Il y a trois verses. Et tous les, il dit son grand-père, sa grand-mère, la nonque. Et moi j'ai une tête de grand oncle et de grande tante de mon grand-père. Ça fait, je dis tout le temps les noncles, mon oncle. Je mets les noms de mes noncles. Mon oncle, you know, tous les noms, Elias, Théard, Otto, Philo, tout ça. Et ça va fit comme ça, ça va fitter bien comme ça. Alors. Mais c'est une bonne chanson quand même. Raymond Tosin. Mm-hmm. Quand tu crois qu'il a préféré quand il a écrit cette chanson? Je crois qu'il avait vu ça. Oh. Je crois qu'il avait vu quelque chose là, comme ça là, dans le poulailler. Il préfère ça et ça. Ça devrait voir peu. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, on va pas demander. Non. Allons continuer. On a laissé ça là comme ça. Là. Easy to love. Thank you.
Thank you. Yeah, c'est bien, c'est bien, mais bel ton. Je peux attendre bel ton pour chanter ça. T'as fait un bon job. Yeah. On va pas demander, il est venu de ça. On va laisser ça là tout seul sur site. On va jouer la prochaine chanson pour tous mes couillons. C'est prêt à moyer des messages sur mon téléphone. Moi, j'apprends à jouer à la ville, bien bonne heure demain matin. Il faut que je parte Pombro à 3 heures le matin. Parce qu'il faut que j'arrive à la ville à 5 heures pour le Rock'n'Roll Marathon. C'est la 5 années, on va jouer ça pour. Et Chad, mon Chad Huval, il joue la basse avec moi. Il est en la ville de Rochester. Il peut m'écouter sur. Il peut nous écouter sur la radio. Il dit, stop texting while you're on the radio. So we got you locked in, he says. So, and then Mitch is on there too. So we're going to send out Mitch, Chad, and Trevor to mon gang. Là. Crawl a two step. Et puis Lawson to step. Une mélange. On a pris un détour. Ça, c'est un gros détour. Un mélange des chansons. Ça s'appelle ça un medley. Crowley to step, c'était Lafayette Playboys, Alice Roger, et puis Lawson to step, c'était Lawrence Walker. Yeah. All right. I was going to say something, but I forgot what I was going to say. Quand même, ça va venir à moi plus tard. Les vases de Balfour. Yankee Dead on his own. Love you, baby.
La vivace déballe fort. Y'all are listening to a lot of Cult Cajun Band with Shane Bellard and the whole group. And like I said, we're live on 88.7 KRVS and KEUN 1490 AM and 105.5 FM. And next Sunday, today's Saturday, but next Sunday, not tomorrow, but Sunday after on AOC, Acadiana Open Channel, y'all can watch it on live on TV. This is a live broadcast. For all y'all that are visiting from outside the area, outside the state, this is a live radio show that we've been doing, and we do every Saturday night from 6 to 7:30. We've been doing it since 1987, and we've been on the radio ever since. And many a great Cajun musician has graced the stage, and it's an honor as a musician, and these guys can attest to that as well. It's a great honor to be up here on the same stage as Dewey Balfa and Dennis McGee, and all of them have played on there. Aldous Roger, you name it. So, merci à vous autres. Thank you all again. Oh, la recall two-step. Vous avez fait ça toi-même? All right. Ça, c'est notre original. On va avoir un bon temps jusqu'à soleil se lever. La lune est pleine, la vie est belle, la lente s'amuser. On va avoir un bon temps jusqu'à soleil se lever. Yeah, le two-step de la récolte, two-step de la bande. C'est ça que je voulais demander. As-tu appris le français, tu parles français comme tu parles? Oui. As-tu appris ça? Mon grand-père. Ton grand-père l'a montré? Mon grand-père, ma grand-mère. J'étais élevé dans l'été avec mes grands-parents. Puis ils ont tout parlé en français, ça fait. Faut t'apprendre. Ouais. Uh-huh. C'est ça. Et où tu viens? La pointe d'église. Church Point. Yes, indeed. Yeah. Church Point. You'll break the microphone when you say it like that. Non, c'est bon de voir le monde, du monde là, comme ça, aussi jeune, comme ça, là, qui parle français. Et tu connais, j'avais un rêve l'autre jour, l'autre soir. J'avais un rêve que j'étais un vieux homme, comme je suis aujourd'hui. Mais j'étais un vieux homme, 90 ans peut-être, je connais pas. Mais j'avais un rêve. Et c'était moi, là, dans une chaise. Et j'ai quitté de parler anglais du tout.
c'était moi et je connais pas qui j'étais préparé avec, mais c'était moi et ma petite fille. Et ma petite fille était prête 32 pour moi en anglais. Et quelqu'un était prêt à me interviewer dans mon rêve parce que je parlais plus en anglais. Ça fait ma petite fille était là, elle était prête à me traduire pour moi. Tu connais, quand j'étais petit, j'avais 10 ans, 10 ou 12 ans, j'avais une vieille tante. Quand j'avais 10 ans, elle avait 90 ans. Et elle a pas parlé anglais du tout. Et je me rappelle bien que sa sœur, ma tante, on allait chez elle pour vendre du chocolat. En école, il faut les vendre du chocolat et de la candy et tout ça. Et puis, tante Alice était... elle a traduit pour nous autres à tante Luce. Tante Luce était le plus vieux. Et elle n'a pas parlé anglais du tout. Et I wish at the time, that was, elle a mouru avant que j'ai commencé d'apprendre français. Et je souhaite que j'ai commencé d'apprendre français un petit peu plus bon, un petit peu bonheur pour la parler avec. Mais quand même, c'était drôle de voir là comme ça. Là. C'est fun de parler français, je te dis. Jolie blonde!
Merci. Oui, la vieille chère jolie blonde. Ça, c'est un original aussi, de longtemps passé. Quelqu'un l'a écrit. Tu connais, en parlant de la langue et du français cajun, je pourrais lire un bon livre. Il y a un tas de bons livres de français pour l'entour de nous autres, l'entour de la Louisiane, du sud de la Louisiane. Mais tu connais, je ne connais pas le nom, je ne connais pas le title, mais c'était le livre avec Nathan Abshire sur le couvert, avec son accordéon. Et tu le livre est en français, et en anglais, mais c'est traduit sur l'autre bord de la page en français, tous les mots. Et c'était écrit dans le 99, je crois, peut-être 90, mais ça parle des musiciens cajuns, Nathan Abshire, Dewey Balfa, Boris Connor, Hector Dion et Octa Clark. Et ça dit les histoires, et ils sont écrits en français. Et c'est bon, et c'est fun de les lire, tu connais. Des histoires de vieux temps et des histoires comment ils étaient jeunes dans les 20 et dans les 30 et dans les 40. Et c'est d'habitude quand tu vois ça, c'est en français, mais c'est en français standard. It's in standard French. C'est pas en français cajun. Mais là, il est écrit en français cajun. Et c'est juste comme on appelle parler. C'est écrire juste comme on appelle parler. Ça fait, c'est un bon livre. So check ça out. Check ça si tu veux lire ça, et c'est bien intéressant. Alors, la porte en arrière. On va sortir ça. Yeah! Et là-bas. Non te no villa, lo desti le cose più maci. Ora che mi vengo alla maison, che te te copite, te te buone noci. A te passe, non ho la porta in aria. Buongiorno! Ça, c'est dans le livre.
D.L. est dans le livre aussi. Il explique comment il a commencé, comment il a eu l'idée pour la porte en arrière. Yeah, c'était les Phasers de la musique Cajun, Makers of Cajun Music is the book I was talking about. Avec Nathan Abshar sur le couvert après fumer avec son accordéon. Hey, tu connais? Hey, quoi c'est un couvert? Tu connais quoi c'est un couvert? Quoi c'est un couvert? Non, that's a green neck. C'est un couvert. C'est mon grand-père m'a demandé ça des années passées et he had the same look as I did. Y'all had the same look as me. Huh? Un couvert, c'est un green neck. Et tu connais quoi c'est deux mains? Une et deux mains. Pas tomorrow. Tomorrow et dimanche. Deux mains et une et deux. Non, ouais. Oh, God. No. All right, y'all, deux qui restent. Que tu veux faire? Back of town. Back of town, Yves. Allons. Oui, on attend pour une autre chanson qui reste. Vous êtes dans un gros main pour la record Cajun Band, Shane Bellard et tout le reste. Merci beaucoup. Y'all want some more?
Thank you.